Salut, nouveau vlog. Bon, bah, je vous retrouve, c'est la même journée qu'hier, hein. J'enchaîne, Simon est suivi. Il est donc 13h. Eric vient de partir pour Orly chercher son fils. Comme je vous disais, je m'apprête, là, je finalisais le vlog. Ça va vite. Et après, j'ai peut-être une course à faire à Leclerc et je vais chez ma maman pour commencer l'aider à faire tout ce qui est toast et préparation. Super. Alors, j'ai ma vidéo qui vient de s'encoder. Et j'ai ma machine à laver qui m'appelle. Ça y est, c'est bon, machine étendue. J'ai retiré le collier, mais c'était juste le temps que je bosse hein, sur l'ordi. Je le remettrai pour ce soir. Je vais attacher mes cheveux parce que, je vous dis, de dos, c'est pas beau du tout, du tout. J'emballe les deux, trois petits colis qui me restent. Je file. Et après, ça sera bon. Mais d'abord, on dit bonjour. Ah, pardon. Oh, c'est maman qui a fait tomber le jouet de ton père. Hein, la licorne. Bébé. Oh, c'est bon, il est déjà parti à 15 km. Il y a donc ces deux petites choses. Hein, c'est pas grave, hein, s'il voit, je sais qu'au moment où vous verrez, vous, où je publierai cette vidéo, les cadeaux auront déjà été offerts. Et il y aura peut-être besoin d'un troisième cadeau. On verra. J'aime beaucoup. Hein. J'adore. Le miroir ici, je suis fan. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Jack? T'es où? N'ai vu des petites oreilles. Ah, elle est là. Cheveux attachés. Je suis prête à aller à Leclerc. Et ça caille dans ma voiture. Tout est gelé devant. Super. Je crois que je vais faire une cure de sommeil très 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 prochainement parce que je suis agacée de tout. Fatiguée. Et voilà. Par exemple, c'est blindé. Bref, de toute façon, j'ai juste à aller acheter une chemise. Compléter un cadeau et je repars. Ça y est, les derniers paquets sont faits, il n'y a plus qu'à aller faire les toasts. C'est un temps qui est vraiment très agréable. Il fait frais, mais pas trop. J'ai l'impression que tes poumons ils peuvent se ressourcer, ils respirent à fond. J'ai parlé avec une des vendeuses de la parfumerie là où j'étais. Et bon, elle me connaît, donc elle me dit, alors, tu fais quoi? T'as prévu quoi pour le 31? C'est vrai que je ne vous en ai pas parlé, mais j'avais dans l'idée de faire, oh, j'essaie d'en tranche, une expérience sociale. Franchement, j'ai envie de le faire. Eric, il me dit, ouais, moi, je me sens pas prêt, enfin, c'est chaud. Je voulais le 31, donc rien de prévu. De toute façon, nous n'avons rien de prévu. Et aller chez les gens pour voir si, comment ils réagiraient. Est-ce qu'ils nous offriraient un verre? Est-ce qu'ils nous offrent... Vous voyez, mais on irait chez plusieurs personnes comme ça. Et moi, je filmerai en caméra cachée, oui et non, parce que je préviendrai que je fais une expérience, blabla. Et ça, c'était l'idée. Ou alors un bar tabac qui faisait réveillon, un peu comme dans le Père Noël est une ordure. De toute façon, vous verrez. Vous reconnaissez, c'est le retour. On voit que dalle. C'est peut-être les fenêtres et tout. Regardez un truc. Le bouquet. Ouais, c'est plus là. Et mais c'est que c'est joli quand même, même s'il n'y a plus les belles fleurs roses. Mais ça reste quand même très joli. Donc, tu vas mettre la table, et puis comme... Non, même pas. Ben non, parce que c'est apéro-dinatoire, donc tu te prends pas la tête. Ah bah t'as remis ça? Ah bah oui, écoute, nickel. Bah, chacun va servir. Ouais, c'est aussi bien. Allez, on va dans la cuisine, commence à préparer. J'aime bien quand tu fais ça, c'est rare, mais c'est des crêpes, tu fais comme comment ça s'appelle? C'est un hérisson. Oui, c'est ça, le hérisson. C'est un pamplemousse ou un chou, j'enveloppe de papier alu. Là, c'est un pamplemousse. Oui. Mais tu peux faire plus gros. Bah oui, parce qu'en fait, le plus chiant, c'était de les faire. Le plus long. Non, pas le plus chiant, mais le plus long. Et tu les as déjà garnis? Ah bah ça y est, bah oui. Tartinade de Noël saveur truffée. Bon, ça va, t'es pas trop crevé? Non. Sûr? D'où? Une fois que tu as coupé ça, on les met sur les petits picots, c'est ça? Oui. Ah, t'as mis, fais voir. Le vernis qui était dans le calendrier de l'Avent. Pas si c'est le Chanel, hein. Il est beau. Pas super, regarde. Oh, voilà ce que ça donne. C'est joli, hein. Et bah, il en reste plein, des petits bouts. On va mettre ça dans une assiette. On va enchaîner sur les toasts. Faut pas les faire trop tôt non plus, hein, les toasts, sinon ça sèche. On va mettre là-bas, hein. Déjà ça. On va rajouter aussi des choux. Faudrait que j'aille prendre commencer des petits trucs au four chaud. Là, c'est que du foie en fait. On a tout ça. Il y a... Ça, c'est excellent à la truffe. Ça sent assez fort, mais alors en goût, délicieux.
Et là, c'est le pain de poisson qu'on va couper. C'est quoi? Du crabe. Voilà. Et ça, on le met où? Au frigo, celui-là, par contre. Hein. Ouais, voilà. Bon, à tout à l'heure. Bon, allez, attention. Oui. Je repars, je vais dans une petite supérette chercher des, vous savez, les petits fours là qu'on met au four. Parce que j'ai l'impression qu'il y a, elle a fait pas mal de choses, mais c'est froid entre les crêpes, les pains de poisson et bah, les petits toasts. Mais c'est sympa d'avoir aussi une mâche un peu chaude. En plus c'est rapide, on les met au four. Oh, c'est magnifique, il faut que je vous montre. Oh, on les met au four 10 minutes et c'est bon. Oh là là, wow. C'est splendide. On dirait que le ciel prend feu. J'ai essayé de me tenter 2-3 photos, mais je suis pas convaincue. Oh là. Je suis en train de faire le tour en voiture. Et regardez comme c'est grand. Regardez ça aussi, j'en ai marre. Il y a de l'eau partout dans ma voiture, sans rire quoi. Elle tombe en lambeaux, ma caisse. Le paysage magnifique. Il pleut dans ma caisse. C'est formidable. C'est la course. Je suis rentrée vite fait pour publier ma vidéo parce qu'il est 17h40 et c'est à 18h. Donner à manger à bébé Jack, qui fait encore la tête parce que c'est des nouvelles croquettes. Et bah, je vais filer. Je vais y aller à pied, ça va me faire du bien. Eric m'a pas encore appelé. Ah oui, j'espère que ça va parce qu'il y aura du monde sur la route. Je pense qu'ils vont rentrer vers 19h, un truc comme ça. À nous deux, les petits fours. Au niveau des sacs que j'ai assis, je pense que ce sera pas nécessaire vu comment ça caille. Alors, ça va être tout. Voilà. Pas assez quoi. Les chèvres, ah non. J'ai trouvé des petites choses et finalement j'ai pris un sac comme. Ça y est, j'ai tout. Je rentre, je me pose pas longtemps parce qu'après je repars. Mais au moins c'est fait. C'est chiant parce qu'il y a des musiques donc je peux pas trop quoi mettre. Rojo. Ah mon petit coin avec les sapinous. Ah j'avais pas vu, c'est sympa ça. Je vous montre rapidement les petites tartines apéritifs, il y en a 12. J'ai pris 2 paquets. Ceci, ça me tentait pas mal. Après, moi, j'aime bien les escargots. Escargots, recette Riesling, mais il y a aussi saumon fumé, sauce agrumes et échalote. J'ai pris ça aussi. Attendez, il y a Eric qui m'appelle. Je disais donc, il arrive dans très peu de temps. Arrête! J'ai pris ça parce que c'est sympa, caramel, sucré, salé. Et celle-ci, rapidement. Fromage, non, elles sont bonnes, j'aime bien celle-là. Voilà! Mais pour l'instant, il me reste 45 minutes avant de partir. J'ai dit à 19h. Je vais m'avancer. Je suis arrivée chez ma maman. J'ai enlevé ça. Je vais vous montrer avant que tout le monde arrive la table qui est dressée avec tous les petits apéros et tout. Là, on a vite fait, j'ai mis tout ce qui est chaud, petit truc chaud. Ça a l'air super bon. Voilà la table. Sympa. Hein, le pain surprise. Et ça, nickel. Et là-bas, et les cadeaux. Je vous reprends d'une chambre. Bah, je suis très raisonnable. J'ai commencé à me servir un petit verre et je me suis dit non. Non, j'ai senti la petite barre là. Vous savez, si ça sert à rien. Je vous montre pas parce qu'il y a des enfants. Et on montre pas les enfants sur YouTube. Non, non, non. Même les plus grands. De retour. Il n'est pas trop tard. 23h13. C'était vraiment très très sympa. Je vous montre ce qu'on a eu. Moi j'ai une petite figurine comme ça. En plus, je la voulais. Catwoman, elle est trop belle. La figurine, ça c'est pour Eric Groot. C'est une série, elle est super sympa aussi. Avec le CD, parce que les musiques, elles sont cool. Hein. Ça a écouté dans la voiture. C'est ça, hein, c'est toutes les musiques du film. Très, très bonne bande sonore. Ah ouais. Supérieure à celle du film Suicide Squad, qui est déjà d'excellente qualité. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. J'ai eu une montre très très belle. Hein. Charlotte Raffaelli. Une petite trousse de voyage avec des produits Nux. Ah non, tu vas pas le refaire. Je ne peux pas faire ça avec tout. Des senteurs. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, Botanic Garden. Avec la petite bougie qui va avec. On ne l'avait pas en plus. La Home Mini Google Home. Ça, hein, Google Home Mini. C'est sympa. Hein, tu as eu les petits chaussons. Batman. C'est tiré de quel film? Ah, je sais pas. Ben voilà, c'est la question du jour. Bon courage. D'accord, bon bah. Alors, on a encore été bien gâtés, mais là c'est terminé. Je vais clore ce vlog et vous dire demain ou après-demain, parce que là il y a quand même le réveillon du 31, le 1er, j'en sais rien, je pense qu'en plus il n'y aura pas grand monde, hein. Tout le monde sera bien fatigué. Allez, bisous, salut.